Et bonjour tout le monde! Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Disney Magical World! Eh ouais! Donc, comme je vous l'avais dit pour ceux qui regardent mes autres let's play, je l'avais dit du coup. Merci pour la cinématique! Je l'avais dit du coup dans la vidéo Animal Crossing, donc la dernière quoi, sur Animalia. Que j'allais reprendre cette série, du coup je suis super contente puisque maintenant on va pouvoir profiter de tout l'univers Disney en bonne qualité, hein? Plus de soucis, c'est flou, on voit rien, il n'y a pas de lumière, enfin bon. Maintenant je suis super contente parce que je vais pouvoir vous faire profiter en tant que grande fan de Disney, eh bien de tout cet univers-là et vous voyez que c'est tout de suite plus agréable. Alors oui, vous voyez que j'ai la masse d'argent, hein, c'est tout à fait normal. J'ai préféré. Seulement pour l'argent, je parle, hein. Je ne suis pas du tout dans la triche non plus, voilà. Seulement pour l'argent, voilà, j'ai utilisé ma power save pour pouvoir vous débloquer pas mal de choses. Parce que forcément, un jeu sans argent, c'est tout de suite moins plaisant. Et du coup, comme je fais ça en vidéo, c'est tout de suite plus agréable d'avoir de l'argent pour vous montrer le plus de choses possible. Donc voilà, on a le château de Mickey qui est toujours gigantesque. Alors par contre je ne sais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Ah peut-être l'autocollant là-bas. Oh, je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je vais peut-être aller là, ouais, au château. Ah ben voilà, oui, ça doit être ça sûrement. L'autocollant numéro 6. C'est parti! Waouh! Ah oui, par contre, là, niveau 52, ok. Sa Majesté le Roi. Ok, alors là, on a un truc du niveau 10. Je sais! Le nouveau propriétaire du café sera celui qui arrivera à ouvrir ce coffre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive au niveau 10. Oh, si tel est le désir de Sa Majesté, il est vrai que le propriétaire du café est absent depuis quelque temps. Alors, moi, quand je vois le chancelier, étant donné que grâce à Higuette, j'ai commencé la série The 100, eh ben, je pense tout de suite à ça parce qu'il y a un chancelier dedans, vraiment. Voilà, dédicace à tous ceux qui regardent. Ouais, j'ai des références des fois, faut pas chercher. Hein. Alors, mais pourquoi donc celui qui ouvrira ce coffre, Votre Majesté? C'est très simple, la personne qui ouvrira le coffre rêve de vivre sa vie au maximum et sera plus qu'heureux de travailler dur pour les bons concitoyens. Je suis convaincue qu'on ne saurait imaginer mieux pour un tel rôle. Oui, bien entendu, Votre Majesté, c'est là une bien formidable idée. Je me dois donc de répandre la nouvelle parmi le peuple. Quiconque ouvrira le coffre se verra devenir le propriétaire du café. Mais on sait tous que ce sera moi! Il n'y a pas de suspense! Ah oui, qui sera mon propriétaire? Ouais. Oh, c'est Père Noël en version roi. Ok, j'ai. Alors, parle au roi, d'accord. On s'incline pas à rien, c'est pas comme dans Fantasy Life, hein. On y va là-haut again. Bien le bonjour! Avez-vous l'occasion de rencontrer le roi par hasard? Écoute, c'est pas une chose qu'on fait tous les jours, hein, toute façon. Oh, bien entendu, par ici, je vais vous présenter Sa Majesté. Non, mais normal, quoi, je viens d'arriver, on me présente direct au roi, quoi. C'est sûr que cela arrive tout le temps. Genre, moi je vais aller à Londres, je vais rencontrer le prince William, quoi, normal, quoi. Enfin bon. Laissez-moi vous présenter Jordana. Jordana m'a été d'une aide précieuse un peu plus tôt aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, je lui avais retrouvé un truc là, une fleur ou je sais plus quoi. Bienvenue à vous, je souhaitais faire votre connaissance. Je suis le roi de cette terre. Sans blague! J'ai entendu dire que vous avez volé au secours de mon chancelier, c'est bien cela? Laissez-moi vous offrir ceci. Et en plus, il m'offre un truc. Mais je suis trop gâtée, voyons. Vous pouvez l'utiliser pour collectionner les cartes comme vous pouvez le voir. Vous trouverez de nombreuses variétés de cartes. Ah ouais, que pensez-vous, Mario? Bien sûr, oui! Je ne collectionne pas les cartes Pokémon, moi je collectionne les cartes Disney. Voilà, chacun son truc. Salut les personnages Disney pour recevoir une carte à chaque mi-journée. Ouais, si tu collectionnes une carte et c'est. Ok, je m'en souvenais plus de ce truc. Oh là là. Ah, c'est vrai que c'est bien ça. Alors, normalement, si je me rappelle, ouais, on a plusieurs. On a Mickey. Après, il y a Minnie. Alors, si on descend. On aura Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Winnie l'Ourson, Pierre des Caraïbes, Aladdin, Peter Pan, la Belle et la Bête, Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige, Halloween, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc on a Lilo et Stitch, Pinocchio. On a franchement les Aristochats, on a
presque tous les Disney, quoi. Vous voyez, là, je vous fais défiler un petit peu, hein. La petite sirène, le roi lion. Le roi lion, j'y vais direct, Bambi, Réponse. Mais alors là, c'est le kiff, quoi. Regardez, on a vraiment tout. Là, je vous jure, ça va être une super petite aventure, hein. Je vais bien profiter de ça avec vous. Alors, pendant que vous êtes là, connaîtrez-vous le meilleur moyen de vous rapprocher de nos chers citoyens? Eh bien, il suffit de les saluer. Mais ça, c'est normal, de toute façon, la politesse, partout où on va, hein. D'accord, tu vas m'apprendre à saluer les gens, d'accord, bon. C'est parti, petite leçon. Voilà un salut des plus courtois. Alors. Oh, il est trop mignon! Alors, collectionne les cartes et parle au roi pour qu'il t'enseigne de nouvelles salutations. Ok. D'accord. Ok. Ça marche. Alors, salut. Signe de la main et je le fais. Bon, je fais en haut. Allez. Tout va bien. Ok, et vous deviendrez plus proche. Ouais, donc c'est un peu comme voilà tous les Animal Crossing, les trucs comme ça, c'est un peu des émotions, quoi. Je me rappelle qu'il y en avait où tu sautais de joie, ou il y en avait beaucoup plus que ça. Alors, oui, ben, je vais aller saluer les habitants. Voilà, il en manque encore 10. Ok. Toi, je peux pas te... Oh bah tiens, je vais aller saluer la cour, on sait jamais, hein, ça peut faire un peu lèche-cul. Vas-y, on dirait BBTM, lui, avec une moustache beaucoup plus grande. Désolée. Oh, j'adore ta robe. Oh, la petite révérence et tout. Oh là là. Bon, bah, il en manque encore 5. Dommage, je voulais faire que les soldats ou les trucs comme ça. Ok, c'est pas grave. Bon, là, je laisse le temps de chargement, hein, c'est pas non plus... Allez, je vais faire la garde royale. Toi, tu veux pas? Oh, ça va pas. D'accord, bon. Pas de soucis. Oh, il y a des gens là. Ah, par contre, où je passe? Allez, salut. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous jure, regardez-moi ça, quoi. C'est trop trop beau. Ah oui, c'est vrai, faut que je descende. C'est pas pratique la caméra comme ça. Alors, il m'en manque encore. Alors, toi, je t'aime bien, petit papy. Je suis de bonne humeur, comme toujours. Oh! Oh, vas-y. Petite carte plutôt. Il inaugure le truc. Ok. Alors, est-ce que Minnie ou quoi, ils ont. Normalement, ils sont là. Mickey, je suis pas sûre qu'il l'est. Minnie, dis-moi que t'as la carte. Oui! Oh, s'il te plaît, allez, allez! Ouais. Oui! Oh, un petit cœur! Trop mignon! Ok. Ah, c'est chez Daisy! Oh, ça va être cool tout ça. Alors, tu devrais pouvoir concevoir plus d'habits à la boutique à présent. On va à la boutique ajouter. Oh, trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien. Je vais quand même essayer de saluer Mickey avant de retourner au château, si c'est possible. Si je peux gratter une petite carte par-ci par-là. Oh, encore un truc? Oh, Tic et Tac! Oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh, je kiffe ces deux petits pépères! Oh là là! Oh. Devine ce que Daisy a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aimerait créer... Oui, bah ça, oui. Ok. Mickey est parti? Ah non. J'ai eu un petit flip, là, l'espace d'une seconde. Oh, il a une carte! Yes! Oh, j'adore cette carte! C'est Mickey à l'ancienne! Oh, je kiffe! Donc. Bah, je vais directement aller. Oh, je vais aller à Tic et Tac parce que Daisy, on la connaît déjà. Hein. Par contre. Ouais, je viens de découvrir ça l'autre jour. On peut accélérer. Ok. C'est parti. Mais c'est trop magnifique. Je vous jure. Oh, oh ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. Oh, j'ai jamais su, vous voyez, j'ai jamais su qui était Tic et qui était Tac. Enfin, je confondais toujours. Du coup, maintenant, je vais savoir que Tic, c'est le plus mignon et Tac, c'est l'imbécile. Voilà, je les repère comme ça, moi. Mais franchement, Tac, je le kiffe trop aussi. Oh, trop cute. Et moi c'est Tac, ok. Oh, Tac, je l'adore. Il est tellement, on va dire, un peu... Pas débile, mais un peu fifou que...
que je l'aime trop en fait. Alors, bienvenue dans notre atelier. On a commencé par fabriquer de petites choses. Ok. Si on pouvait lui fabriquer des meubles. Ah oui, c'est vrai! C'est là que tout va se passer en fait. Quand on va être propriétaire du café, on va devoir trouver des, on va dire, des ingrédients, voilà, des objets, pour pouvoir construire nos meubles. Ouais. Oh, une canne à pêche. Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'attraper? Si tu as des questions. Ah, Donald. Ah ouais, d'accord. Donald. Il doit être, ouais, il doit être là. Ok. Ok, pas de soucis. Bah, je vais aller voir Donald. Salut! Mon ami Donald. Ah oui, les cartes! Merci, les gens. Allez. Si je peux choper des petites cartes passées par là. Toi, je te salue pas. Oh, mais c'est tellement mignon, quoi! Ah, bah, il est là-bas. D'accord, bah, j'y suis allée pour rien. Allez, j'aime trop faire ça. Quoi de neuf? Allez, mon petit Donald. Alors, comme ça, Tic et Tac ont réouvert leur atelier. Je t'assure, ces deux-là sont des petites terreurs sur pattes. Comment est-ce qu'ils arrivent à gérer un atelier? Il ne faut que des bêtises. Quoi, tu veux savoir quel matériau? Oui, allez, dis-les-moi. Ok. Une branche fine. J'ai besoin de quoi d'autre? En ce qui concerne les autres matériaux nécessaires, je suis persuadée que tu... Ok, allons plus au Picsou. Ok. D'accord. Ça marche. Comment je peux... Je sais plus du tout. Comment on peut savoir? non, c'est pas... Bon, au pire, je verrai très bien. Bon, tu vois, je ramasse quand même des objets en passant. Ça peut toujours être utile. Courir, c'est toujours utile. T'as rencontré le roi? Bah ouais. Je suis dans le club VIP, tu vois. Alors, c'est où déjà? Picsou, ouais, c'est par là, je crois. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça. La petite musique de chic, quoi. Ah, sauvegarde. Il se passe un truc ou non? Oh, vas-y! Alors, lui, c'est qui, déjà? C'est qui? Je sais jamais... Riri, Fifi, Loulou, je sais jamais qui est qui. Mais je connais ça. Ça doit être un truc, c'est pas dans Lilo et Stitch. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est, ça? De nombreuses antiquités précieuses. Oh, bah dis donc, on s'en fait pas, quoi. Ah bah oui, c'est vrai que maintenant que j'ai de l'argent, je peux tout acheter. Mais oui, c'est trop bien, ça. Acheter, ok. Ah si, ça va faire v'là la déco, là, c'est très très bien. Ok. C'est pratique d'un côté, voilà. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu d'argent. C'est comme ça, on va faire des belles décorations ensemble. C'est tout de suite plus agréable. Ça va être moi, t'inquiète pas, ça va être moi. Allez, toi, vas-y. Ah oui, c'est les coins tenus. Oui, oui, oui. Oh, mais c'est mignon. Tu connais l'atelier? Attends, attends, je veux acheter ça pour l'instant, s'il te plaît. Alors, mini-jupe de Blanche-Neige. Oh, genre. Oh, je prends tout, moi. Par contre, le... Non, ne pas se changer. Par contre, le truc à côté, là, ça me dit rien. Ça, ça me dit quelque chose, par contre. Ah, clochette, sérieux? Aimé. Je me souvenais pas du tout de ces détails-là. Hein. Oh, mais c'est... Je pensais pas que c'était aussi complet, en fait. Ça, ça doit être... Ouais, Peter Pan. J'ai reconnu la couleur. Là-bas, c'est peut-être Blanche-Neige. À côté, je sais pas. Vu que, ouais. Non, Daisy. Ah bah, pardon. J'aurais pas cru. Allez, on prend. Ne pas se changer. Je reste en mode mini pour le moment. J'attends d'avoir une tenue complète. Mais je sais même pas si j'ai... Ouais, attendez, je vais faire un truc. Oh, tout, vas-y. Hein. Je sais même plus ce que j'ai, quoi. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose. Oh, bas chaussures... Non, en fait, non. Moi, j'ai pas... J'ai plus grand-chose. Enfin, bon. Salut! Alors, de quoi j'ai besoin? Je vais tout prendre. Mais quand même, c'est assez cher. Hein, quand vous regardez bien, 150 pièces pour un petit truc, un ingrédient, un grain de blé, c'est 150 pièces, quoi. Faut pas abuser, hein. Bon, je pense qu'on a besoin de ça, à mon souvenir, ouais. Un fil solide. Ok. Acheté. Mais comment je sais, déjà, les ingrédients qu'il me faut? Ok.
Ça marche, noix aromatique. Ça, je crois qu'on peut l'avoir autrement aussi. Feuilles de coton. Acheter. Ok. Je dévalise le truc, quoi. Mini pomme. Acheter. Et ça, c'est un tissu doux. Ok. Et là-haut, je crois qu'il y avait quelque chose, mais je crois qu'il y avait Picsou. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je peux pas ouvrir pour le moment. Me semblait quand même qu'il y avait quelque chose. Tu bosses dur, on dirait. Bah ouais, comme toujours, écoute, hein. Faut bien gagner sa vie, hein. Bon, je crois que j'ai fait le tour du proprio. Alors, du coup, je vais voir Tic et Tac parce que. Non, c'est pas par là qu'il faut passer, je suis gourde. Alors là-bas. Alors vous voyez hein, sur l'écran du bas maintenant que vous l'avez, les missions en fait sont. Comment dire? Sont marquées avec un petit. On va dire un petit truc orange là, je sais pas trop comment appeler ça. Alors attendez. Alors est-ce que j'ai tout? Une fois répondu, on pourra commencer à fabriquer des meubles. Ouais, ah c'est bon. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on sait. Ok. Alors, création possible, ok, ça marche. Je pensais qu'on pouvait voir directement en fait depuis notre. Comment dire, notre. Nos poches, mais en fin de compte, faut aller à la boutique directement. J'avais un peu oublié ça. Alors, donc j'ai ma canne à pêche, tout va bien. Tout va bien, là faut que je pêche, ok. Je vais peut-être aller voir Daisy entre temps, juste pour débloquer le truc. Alors, Daisy, je crois qu'elle est là, hein. Vous imaginez un petit peu toutes les belles tenues qu'on va pouvoir créer, quoi. Ça va être super, super classe. Alors oui, toi aussi, je veux ta carte. Oh, la bonasse. Qu'elle est belle. Ouais, on a débloqué le niveau 7. 6 nouvelles recettes, sérieux? Je veux juste voir ce que c'est. Allez, allez, dis-moi, dis-moi. Alors, on va mettre ensemble. Mais je l'avais pas. Il me semblait que j'avais. Ouais, non, ça doit être. Attendez, attendez. Qu'est-ce que je porte là? Ah non, mais en fait. Ah non, 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 c'est pas du tout ce que je porte. C'est pas du tout ce que je porte. Voilà. Moi, je vais voir un peu alors. Ça m'intéresse, ça. Alors, attendez. Tulipe, papa. Bon, écoutez, hein. Concevoir, voilà. Comme ça me fait une robe un peu plus classe quand même. Robe à pois de mini, ok. Portée, voilà. Oh, je suis trop belle, quoi. Alors, ensuite, dans les accessoires, je vais mettre tout. Ah, j'avais le serre-tête. Ok, bon, ça, j'avais déjà. Hein. Dans les hauts. Nouveau, bon ça c'est pas très, voilà. Ok. Les chaussures. Mais j'avais déjà des chaussures de toute manière, donc tout va bien. Je suis tellement belle, quoi. J'adore. Bon allez, on ressort. On va essayer de pêcher. Oh là là. Si c'est comme Animal Crossing, ça promet, parce que je suis vraiment une quiche en pêche, hein. Allez, s'il te plaît, Jordi, fais une bonne. Alors. Alors, normalement, hein, je spoil un petit peu la suite. Quand on aura du coup le monde de Winnie l'ourson, je ne dis pas exactement quand on l'aura parce que je ne sais pas vraiment en fait, mais du coup, on pourra faire des petites récoltes assez sympatoches. Enfin, ça promet quoi. Je vous jure, c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez tous hein, que je suis ultra fan de Disney, hein, que je. Voilà. Donc du coup, ce jeu est parfaitement adapté à ma passion. En voilà une chouette canne à pêche. Mais t'as vu, mais elle est stylée la mienne. Alors, comment on pêche? Une fois que tu as trouvé où pêcher, commence par t'asseoir, choisis une direction et lance-toi hameçon. Ok. Non. Je vois qu'une marque apparaît. Ok. Ok. Alors je sais pas si je maintiens le bouton A ou si je. Ouais, je sais pas. Ok, je vais me lancer. J'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est parti.
Ah, alors attendez, je crois les autocollants. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai retrouvé. Alors, attrape un poisson. Et après, je ne sais pas ma mission. Ok, ça marche. Oh, mais ils sont un peu loin. Ah, je pourrais aller récupérer une carte après. Oh, s'il te plaît, viens. Oh, trop mignon. Oh, trop bien. Une bulle d'encre, ok. Ça, je crois que c'était utile. J'ai attrapé mon premier poisson, s'il vous plaît, quoi. C'est pas de la merde. Hein. Ok, je suis au niveau 9. Ok. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quoi? Bien joué, Jordana! Tu en as attrapé un, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ne t'arrête pas là, il y a bien d'autres poissons à attraper. Essaye de voir ce que tu peux pêcher d'autre. Et si tu attrapais deux autres types de poissons pour moi, tu peux y arriver. Ok. C'est quoi la mission là? Dis-moi tout. J'espère que c'est dans les autocollants du 10. Ok. Ouh. Comme ça, je pourrais ouvrir le coffre. On va finir sur un bon truc. J'ouvrirai le coffre de Sa Majesté. Je vais mettre ça là-bas, tiens. Ça peut peut-être l'attirer. Non, ça le fait fuir. Ah! Oh, s'il te plaît, non. Oui? Non. Oh, mince. Allez, allez. C'est pas grave. On perd pas espoir. Toujours rien. Mais comment j'ai fait l'autre fois? C'est quoi le... J'avais peut-être tiré trop tôt, hein. Ah non, trop tard. Ok. C'est bon, je crois que j'ai compris le truc. J'ai réussi du premier coup, mais faut croire que... C'était le truc de la chance, hein. Génial. Venez, mes petits chéris. Toujours rien? Ah, alors attendez. Non, en fait, j'ai pas compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. J'ai pigé le truc. J'ai pigé. Évidemment, il fallait que je trouve le même poisson. Avec la même récompense. Tout ça pour ça. Allez les gens, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Encore un? Bon, faut peut-être que je change de coin là par contre. Ouais, je pense que je dois changer de coin. Je vais m'en aller, merci. Bon, je vais aller par là-bas. Je vois qu'il y a des points d'eau. Par contre, ouais, je crois qu'il faut aller par le pont. Ouais. Par là, ok. Oh, que c'est beau! Dingo! Salut, poteau! Non, allez! Ouais, trop cool. Je sais pas. Ouais, je peux pêcher, là? Oh non, je peux pas pêcher? Pas encore? Oh non, je peux pas encore pêcher ici. Mince. Et par où je peux aller alors? Je suis obligée de me taper les temps. Ils sont pas sérieux quand même. Oh, je peux même pas. Oh non, 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 je suis pas d'accord. Je suis obligée de me taper les. Ok, bon. Eh ben, tout ceci ne sert à rien. Ça fait perdre du temps, mais. Comme il y a eu, on va dire, un petit manque de vidéos pendant 2 semaines, on va dire que ça compense si celle-là est un petit peu plus longue. Oh mais tu vois pas quand je te salue. Allez ouais. Oh j'adore sa carte. Ah oui c'est vrai qu'on peut faire de la balançoire, j'avais oublié. Bon, je vais aller de ce côté, ça se trouve, il y a plus de choses. Tu parles, il y a un poisson, il voit. Ah non, deux. S'il te plaît, fais que ce soit autre chose. Non! Mais c'est une blague! C'est une blague, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas le... Je comprends plus là. Je comprends vraiment plus. Ah non, je l'ai pas eu celui-là. Mince. Enfin! Sans rire, j'ai mis 15 minutes! 15 punaises de minutes pour choper 3 poissons! Oh mon dieu, quoi. Attendez, je sais pas s'il y a moyen de vous montrer le nombre de poissons que j'ai chopés.
Non mais sérieusement, je vous jure. Oh, le pétage de câble que j'ai eu, quoi. Alors oui, bon, on va profiter hein, pour ouvrir le coffre du roi, du coup. Oh là là, mais je vous jure, combien de brochets surprises là j'ai attrapé, mon Dieu. C'est bébé. Oh, j'ai plus de mots, c'est bon, j'ai plus de mots. Ah, attendez, je vais voir si j'ai moyen. Nourriture, minéraux. Je sais pas où ça peut être, hein. Ils peuvent être où? Ils sont où mes poissons? Pas moyen de voir mes poissons? Ok. Eh ben, je ne saurais pas combien j'ai attrapé de poissons. On verra ça dans la prochaine vidéo, c'est pas très grave. Bon, alors du coup, il faut qu'on aille ouvrir le coffre de Sa Majesté. Comme ça, on pourra devenir le propriétaire du café. Ah bah oui. C'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Oh là là, tant de beauté. Ok, alors. Le coffre. Exploit du café. Incroyable! Le coffre, il est ouvert! Vraiment impossible! Eh ben si! Ça doit vouloir dire que Jordana. Mais oui, c'est moi! Ah, Jordana, je vois que vous avez réussi à ouvrir ce coffre. Je vous en prie, Jordana, venez par ici. Il répète beaucoup mon prénom quand même. Jordana, bon, encore une fois, hein. Je vous décerne donc le contenu de ce coffre, l'acte de propriété du café. À partir de maintenant, vous êtes propriétaire du café. Je suis certain que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire de cet endroit le lieu où tout le monde pourra se détendre et s'amuser. Ok. Alors, je tiens à rassurer, hein, puisqu'il y a des gens qui pensent que le jeu, enfin, on va dire, ne se concentre uniquement que sur la gestion du café, choper des ingrédients pour faire des meubles et tout, c'est pas du tout ça, hein. Je vous rassure, on ira dans des mondes magiques, on ira se battre contre des méchants, on mourra plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment un jeu, voilà. Je vous dis, il y a du lourd après, hein, même que je vais galérer parce que j'avais déjà beaucoup galéré quand j'avais joué toute seule. Enfin, hors vidéo, donc bon. Ok, donc. Oh, on va s'arrêter ici, hein. Donc là, on va devenir propriétaire du café dans le prochain épisode, hein, ça sera beaucoup plus. Voilà, au moins on fera quelque chose, quoi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça signifie le grand retour de l'univers Disney sur la chaîne. Voilà. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye! Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt! Ah, ne clique pas sur les boutons, ce sont des faux.